Je m'appelle Janice Kaiman. Je suis internationale belge. Je joue à Juvisy. J'étais attaquante. Maintenant, je suis un peu défenseur milieu aussi. Et tu as quel âge? Janice. 26 ans. Maintenant que toi aussi tu pratiques à haut niveau, etc., est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse qui t'inspire par rapport à ton poste ou par rapport à ses performances? Bah, j'aime bien le belge Dries Mertens. Un Belge. Oui, ça c'est fou, hein. Ouais, c'est assez fou. En fait, bah oui, il est hyper vif et tout. Il est super fort sur les côtés, il marque des buts. Et il est petit. Donc, Ouais, c'est assez c'est mignon. marrant. Quand j'étais plus jeune, c'était Romario, le Brésilien. J'ai commencé le foot quand j'avais 5 ans. Parce que j'ai trois frères, deux qui sont plus âgés que moi et un qui est plus jeune. Et mon papa aussi, il jouait au foot. Du coup, je suis partie tout le temps avec eux au foot et c'est commencé comme ça. Si tu devais nous donner, je sais pas, le nom de la fille la plus du vestiaire, la plus drôle ou la plus qui est un peu fofolle, ça, tu dirais qui? Ouais, le problème, c'est que tout le monde est un peu folle. Louisie, celle qui est un peu folle mais vraiment unique, c'est Sandrine Bretigny. Bretigny comme la vie. Est-ce que tu as d'autres occupations ou d'autres choses que tu aimes faire, d'autres sports ou d'autres passions? Ben, je suis un peu sportive à côté du foot aussi. Donc, quand j'étais plus petite aussi, j'ai joué au basket. Et pendant l'été, j'aime bien faire du surf. J'aime aussi jouer de la guitare de temps en temps. D'accord. Mais là, pour le moment, il y a un petit souci. Ça fait un an que j'ai plus de cordes. Ah oui, quand même, un an. Ouais. Oui, donc ouais, c'est ça. Tu fais Oui. semblant, Non, je fais pas semblant, mais un peu. fait. C'est quoi les sons que tu écoutes en ce moment? Ta playlist? Ma playlist pour le moment, c'est tous les genres différents. J'aime bien Sam Smith. Après, j'aime bien un peu le zouk aussi, parce qu'apparemment en France, c'est connu. Donc, avec Julie Soyer et Nord Le Pailleur. Notamment, oui. Ouais, c'est zouk zouk, quoi. Quel sera ton prochain voyage? Moi, j'aimerais bien retourner aux États-Unis pour voir tous mes amis là-bas. Et avec la saison qui est longue et tout. Pas forcément facile. Et après, j'aime bien les îles Caïmans aussi. Je suis allée une fois avec mes parents et génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit truc en flamand pour que les gens se rendent compte que le flamand est complètement différent du français? Voilà les lasers et voyages et fans de Juvisy, Red Flames. Alda, who is the best events of 2015 and overall catch to us?